BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. La vie IMO qui accueille ce matin Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous nous dites ce matin que le temps des bonnes affaires dans le neuf est venu. Je vais vous avouer, quand j'ai découvert votre proposition, ça m'a un peu surpris, parce que je me suis dit, ça fait quand même des semaines, pour pas dire plus, qu'on dit que le neuf, c'est la Bérésina, que c'est la cata, que rien ne va plus, que les producteurs, que les promoteurs, ne sortent plus grand-chose de terre. Et vous nous dites qu'il y a de bonnes affaires à faire? Ben oui, c'est le pendant, effectivement, à toute chose malheur et bon. Hein. Alors, heureusement ou heureusement pour certains opportunistes, et malheureusement, effectivement, parce que, ben oui, effectivement, les promoteurs, les commercialisateurs se succèdent à ce micro pour dire que là, c'est très compliqué, effectivement, aujourd'hui. Alors, il faut quand même aussi un petit peu relativiser hein, et remettre aussi un peu les chiffres en perspective. Moi, je suis pas, effectivement, né de la dernière pluie. Je suis dans le métier depuis 35 ans. C'est le moins qu'on puisse dire. On se rappelle quand même effectivement que notamment en 2008, les marchés globaux étaient passés, le volume de transactions en 2008 après la crise financière était passé en dessous de 600 000 transactions. On était à 580 000 transactions. En 2013 également avec Madame Duflot qui avait envoyé des messages quand même épouvantables pour les investisseurs, pour les bailleurs. Les ventes étaient passées effectivement à peine au-dessus de 600 000 transactions. Donc on se plaint aujourd'hui avec notre million de transactions, effectivement, mais on se dit qu'on va peut-être passer en dessous du million. Mais enfin, on est loin quand même des planchers, malheureusement, qu'on avait crevés sur ces époques-là. Mais c'est vrai que les temps sont très difficiles. On le sait notamment... Il y a surtout deux types d'acheteurs qui sont largement pénalisés. Tout le monde le sait, tout le monde le démontre et les chiffres sont là. Les primo-accédants et les investisseurs. Donc, il y a effectivement des coups à faire comme à chaque fois que... La dernière fois, c'était dans l'ancien. Voilà, donc la dernière fois, on avait vu les et opportunités... Et là, vous nous proposez le neuf. Ouais, tout à fait. On avait vu les opportunités dans l'ancien qui sont réelles sur les biens imparfaits, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les biens parfaits qui se vendent, et les autres restent collés. Et donc, il faut casser les prix pour qu'ils se vendent, et on commence effectivement à avoir des prix cassés sur les biens imparfaits. Mais il y a également, et ça peut paraître effectivement contre-intuitif, sur le neuf, des baisses de prix qui peuvent être importantes. Alors attention, c'est vraiment sur une petite partie des programmes neufs. C'est pas la majorité, hein, malheureusement. C'est pas sur les programmes qui sont en lancement actuellement. Mais il y a une petite partie, Vous dire, dans le stock, il reste des produits neufs qu'on qualifiera d'imparfaits, sur lesquels on peut... Alors, c'est même pas des produits imparfaits, c'est des produits qui peuvent être tout à fait intéressants. D'accord. Mais surtout, le portrait robot qu'on peut faire du programme neuf sur lequel il peut y avoir des opportunités. Alors, dites-nous, dessinez-nous le bon coup. Alors, c'est pas évident, effectivement, à trouver, mais globalement, le portrait robot du programme neuf sur lequel on peut avoir de très fortes baisses de prix aujourd'hui. C'est un programme qui a été initié il y a longtemps. Vous le savez, je crois que c'est le patron de Procivis encore qui en parlait il y a quelques jours, qui disait effectivement la promotion c'est du temps long, c'est 6 ans, 7 ans, parfois 10 ans entre le moment où on verrouille un terrain et où on met en commercialisation et on livre. Eh bien il y a peut-être 15 à 20% des programmes aujourd'hui qui ont été initiés il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on était en 2013-2014, donc on en parlait à l'instant, le moment où le marché était effectivement, notamment sur le neuf, très difficile. Il s'était fait à l'époque 2013, notamment à peine 25 000 Duflot. Alors que l'année dernière, il s'est quand même fait, je crois, quelque chose comme 37 000 Pinel. Donc c'était quand même bien pire à l'époque. Hein. On s'en souvient pas. Ouais, mais surtout, on imagine que le prix du foncier n'était pas le même. C'est exactement ça. C'est tout compris. C'est-à-dire que les marchés étaient très difficiles. Les ventes étaient à l'agonie, donc les terrains c'était assez souple. L'incidence foncière, comme dans le jargon des promoteurs, était relativement contenue, ce qui fait que des promoteurs ont verrouillé des terrains pas chers il y a 10 ans. Et puis ensuite, les études, les permis refusés, les recours des tiers, les on remonte un autre permis, etc., font que il y a certains de ces programmes qui sont arrivés à la commercialisation il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un des programmes qui ont été initiés il y a
a globalement une dizaine d'années quand les fonciers étaient pas chers. Mais ça ne suffit pas. Deux, il y a les deuxièmes conditions, c'est une question de timing, c'est-à-dire que là on va rentrer un petit peu dans effectivement l'arrière-cuisine des promoteurs, mais il y a deux moments clés où les promoteurs sont prêts, ou j'allais dire contraints, à faire des efforts considérables. C'est le moment où il faut pousser la porte de la bulle de vente. Voilà, il y a deux moments clés où les promoteurs sont effectivement prêts ou contraints à faire des efforts considérables sur les prix, parce que ce sont des moments très importants pour eux. Le premier, c'est le moment juste avant d'obtenir la GFA. C'est quoi la GFA ? Alors, c'est la garantie financière d'achèvement. D'accord. C'est-à-dire qu'un promoteur, les consommateurs sont très bien protégés en France par la VFA, un promoteur ne peut pas acter, c'est-à-dire passer les actes auprès du notaire, s'il n'a pas, par un organisme financier, banque ou assurance, une garantie financière d'achèvement. D'accord. Si jamais l'opération ira au bout, quoi. L'opération ira au bout, même si le promoteur a défaillance, c'est la banque, la compagnie d'assurance qui va terminer le programme. Donc ça, c'est obligatoire. Sinon, effectivement, les promoteurs ne peuvent pas passer les actes. Et donc, commencer à rentrer un peu de sous. D'accord. Parce que depuis 7, 8 ans, 10 ans, ils payent tous les mois leurs collaborateurs et ils sont rentrés zéro. Donc ouais. La GFA, c'est très important pour pouvoir commencer. Et donc c'est quand on voit apparaître le programme ou au contraire ? Non, justement, ça c'est pour passer la GFA, il faut un pourcentage de commercialisation. Ah. Alors qui peut être de 50, 60, parfois 70% de commercialisation avec les prêts obtenus, okay. Les prêts des clients obtenus. Ouais. Et ça on le sait comment ? Eh ben ça on le sait. Ah, on le sait pas. Non, on le sait pas. On le sait pas. Le promoteur va certainement pas vous dire là j'ai absolument besoin de passer les 3-4 tracts et qui me manque. Donc, je vais faire des négociations de prix très importantes, effectivement, sur ces biens-là. Mais il n'en reste pas moins que, nous, on le voit, notamment, que parfois, on a des programmes qui étaient vendus correctement, mais là, avec les difficultés, c'était très difficile. Et puis, sur quelques lots, pendant quelques jours, clac, les prix sont cassés pour pouvoir passer cette GFA et effectivement arriver à monsieur ou madame Michu, comment il fait pour il revient plusieurs fois de suite dans la bulle de vente il faut être opportuniste, il faut être effectivement, alors les commercialisateurs, on le sait parce qu'on échange avec nos partenaires promoteurs, donc on a effectivement parfois des informations plus ou moins, puis on voit les grilles de prix. Donc on voit très bien, effectivement, lorsque on arrive à ces 50-60%, qui en manque encore un petit peu, globalement, c'est des programmes qui sont en commercialisation depuis un certain temps. Comme je disais tout à l'heure, ça peut pas être des programmes qui viennent de démarrer, puisque là, les GFA, elles seront pas obtenues avant X mois, un an et demi, au rythme de la commercialisation actuelle. Donc ça, c'est le premier timing, effectivement, lorsque le promoteur doit vendre quelques lots, effectivement, pour pouvoir passer, effectivement, ses actes avec la GFA. Et la deuxième opportunité... Donc celui-là, c'est probablement un bon créneau, mais pas facile à trouver. Bon, le deuxième. Le deuxième, qui est effectivement, lui, plus facile, dont la perception est peut-être un petit peu plus facile, c'est les programmes qui sont en toute fin de commercialisation. Souvent, on voit derniers appartements à saisir, Derniers appartements à saisir. Alors, frais de notaire offerts, ça, vous l'avez quasiment sur tous les programmes aujourd'hui, la cuisine, les ceci, les cela. Je vais vous citer quelques exemples quand même de baisses de prix qui sont assez significatives. Et même assez étonnante. Moi-même, le premier, je suis étonné. Donc, en fin de commercialisation, pourquoi fin de commercialisation ? Parce que la marge, elle se trouve sur les derniers appartements, bien entendu. Donc, Les 3-4 qui restent qui vont en fait faire le bénéfice du promoteur. Voilà, sur un programme de 30-40 logements, c'est les 3-4 derniers. Et sur un programme de 100 logements, c'est les 10-15 derniers qui vont faire la marge du promoteur. Et les promoteurs ont quand même besoin de marge, parce qu'ils bossent depuis des années, ils payent tous les mois leurs collaborateurs sur des opérations. Donc, ils ont besoin de reconstituer leurs fonds propres. Ils ont besoin de rentrer de la marge pour lancer également de nouvelles opérations pour faire face notamment aux hausses de prix, etc., bien que ce soit calmé au niveau des matériaux, etc. Donc il y a ce moment-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a, les fameux retours de l'eau. Alors, le retour de l'eau, c'est bien souvent, je le dis bien souvent, un peu du pipeau pour vous dire dépêchez-vous, etc. Là, il y a vraiment des retours de l'eau. Des gens qui ont payé leur crédit, quoi. Du fait des difficultés de financement. Ça veut dire que c'est deux moments. Donc on a compris, un pas facile à attraper, un qui est plus souvent même affiché. Oui, plus facile à identifier. Pour les attraper, si on les attrape, ça veut dire qu'on va gratter combien ? C'est quoi les décotes que vous avez repérées et qui vous ont
étonné. Alors par exemple, sans parler de négociation, mais simplement des prix qui ont changé. Par exemple, à Romainville, aux portes de Paris, un programme haut de gamme, le T2 baisse de 40 000 euros. C'est-à-dire presque 12% de baisse. Pas mal. Il passe de 314 000 à 274 000. À Bordeaux, un programme très bien placé, le T4 duplex terrasse baisse de 30 000 euros. Donc on était à 374, on était à 374, on passe à 344, près de 10% de baisse également. Sainte-Geneviève-des-Bois, charmante commune de l'Essonne, très bien desservie par le RER, le T4 là aussi, il passe de 358 à 318 000 euros. Donc vraiment des baisses très importantes effectivement, mais qui ne dureront pas encore une fois, puisque ces doubles conditions effectivement sont... Voilà, ça concerne. C'est le fait de qui ? De petits promoteurs un peu à la, enfin un peu sur la corde raide ou ouais, c'est non. des grands ? Alors non, justement, là les trois exemples que je vous ai pris sont des promoteurs nationaux solides qui ont au bout de l'opération, qui sont des groupes importants. C'est pas des petits promoteurs à l'agonie qui va faire de la cavalerie pour effectivement essayer de donc bon pour essayer de passer le cap et de sauver les meubles. Non non, ce sont des promoteurs nationaux et surtout dernière chose. Ces baisses de prix font quasiment que les promoteurs effacent quasiment la hausse des taux, hein, puisque effectivement, et on se rappelle juste que un taux, effectivement, on emprunte plus cher, mais un taux, ça se renégocie dans le temps, tandis que le coup de fusil à l'achat, il est fait, il est fait. Eh bien voilà, encore un bon plan signé Stéphane Descartier. Merci d'être passé nous voir avec pour plaisir, la Maison de l'Investisseur. Bientôt. On se retrouve très vite, bien évidemment. Nous, on va filer sur les marchés. Regardez ce que nos traders pensent de la tendance du jour et de ce CAC 40 qui progresse de 0,25%. À tout de suite. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.